Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité Samoa-Dila. Dans Parlement, en réponse à PNQ, Premier ministre Findjie qui depuis 2011 jusqu'à 2014, l'ICAC fin fait dès l'enquête après lesquelles pas fin une accusation et Bankala fin résété. Pravindjie Gnot fin annoncé qui bientôt les pouvine avec ben, l'information précise pour expliquer sa cala. En 5 ans, fin rapporte plus que 2200 cas liés à cybercrime. Premier ministre P annonce pour bientôt un nouveau la loi, le cybersécurité. Children's Bill pour amender pour qu'il devienne une obligation légale pour tout citoyen rapport de banca maltraitance envers enfants à ban l'autorité. Déclaration ministre Kundjusha dans Parlement. EDEO, lutte contre COVID-19, nouvel espoir avec l'annonce vaccin Moderna efficace à presque 95%. Depuis 2011 jusqu'à 2014, l'ICAC a fini fait dès l'enquête. Après ça, pas fini na accusation et Bankala fin résété. Réponse Premier ministre pour PNQ, leader de l'opposition, dans Parlement Samoa-Dila, Pravindjie Gnot fin annoncé qui bientôt li pouvine avec ban l'information précise pour expliquer tout ça qu'est cela. Pendant sa séance-là, speaker fin rappel à l'eau des députés Shakil Mohamed et Patrick Asiavaden. Shakil Mohamed fin pour la suite suspendu pour 4 prochaines séances. Thierry Ramasomi. À l'idée de l'opposition, l'Oben 4 transactions foncières dans la police et que dans l'ICAC, Premier ministre fin expliqué qui selon la police, finena 77 accusations et que pas finena l'acquittement. Et qu'au niveau l'ICAC, finena 91 accusations et que 16 acquittements. À une question, l'idée de l'opposition, l'aux affaires Angus Road et que ben l'enquête qui fin déroulée de 2011 à 2014, Premier ministre fin tenir pour amener sa banne éclaircissement là. Inquiry started on the 15th of March 2011, but was discontinued on the 9th of May 2011. A new inquiry started on 20th of October 2013, discontinued on 27th of June 2014. And I think it's good to highlight, Mr. Speaker, sir, who was the director of ICAC at that time? Mr. Anil Kumar Ajuda, who was the Prime Minister of the country at that time? Dr. the Honorable Navin Chandra Ramgulam. And who was in government? All of them were in government. Dr. Bulel, leader of the opposition, was in government. So why was it discontinued? Because there was no evidence of any offense. That is why. L'idée de l'opposition finit aussi interroge le Premier ministre si toutefois finit un délit de money laundering dans sa acquisition là. Is he aware that receipt paid in cash is circulated, certified by the deputy account of Bel Air Sugar State? Mr. Speaker, sir, I witnessed the last shoe of the leader of the opposition in this house, branding receipts and so on. Why does he not go to either police or ICAC to make a declaration and to produce evidence? You are talking about evidence. I can show any paper and say this is evidence. But you, Honorable Leader of the Opposition, you are not a court of law. You are not an institution who investigate. And this is the institution that has investigated. And why is it that all this time? There has been no declaration made to the police under the time when you were in government with Dr. Navin Chandra Ramgulam as Prime Minister. 2011, 2012, 2013, 2014, I have never been convened by ICAC with regard to this inquiry. Ask Dr. Navin Ramgulam. Ask him. Order. He knows. Because there is no case. Chef gouvernement finit aussi préciser qu'il lit de l'opposition peut bien présenter ben document officiel et authentique pour soutenir ce ben argument. Premier ministre finit expliquer qu'il y pouvine avec ben information précise pour expliquer toutes ces affaires là. Mr. Speaker, sir, as I said, I've given some information that have been parted to me by ICAC, and I have stated publicly that very soon I will be giving all the information so that the people will see and the authorities also will be informed about everything.
Et qu'à l'heure des questions supplémentaires, leader de l'opposition, tu voulais connaître qui fait attorney general de l'époque que tu écrire une lettre à Serious Fraud Squad pour demander mettre un terme à l'enquête. Et tu peux faire référence à la semaine précédente déclaration. Speaker fin à plusieurs reprises rappeler à l'ordre leader de l'opposition et fin demande lui retire ce ban propos. Can I ask the Prime Minister, since he has stated openly that he would make a public statement in the light of this controversy in relation to acquisition of property, and I know that, as I said, it's tainted. Can I ask him, when is he going to have the courage to make a public statement on this issue? On a point of order, the Honourable Leader of the Opposition cannot say it is tainted unless he proves that it is tainted. So he should withdraw this. Honourable Leader of the Opposition, you withdraw that word tainted. And this is the very word, this is the very word that your last PNQ was refused. This is the very word. So you continue state words which you cannot prove. You want me to withdraw? I will withdraw. Withdraw it. I will withdraw, but we know what the public is thinking of in this session. But this is again. How can I accept withdrawal with? Okay. Unconditionally withdraw it. Okay, I'll withdraw. If it makes you happy, I'll withdraw unconditionally. Shakil Mohamed et Patrick Assiavaden finent rappeler à l'ordre post speaker à plusieurs reprises. Honorable Patrick Assiavaden, I'm on my feet, and Honorable Shakil Mohamed, withdraw from that. This is a better word for you. Withdraw from the chamber. Sa dédéputé parti travail cela fin expulsé Shakil Mohamed fin named par speaker et que par la suite les fin suspend pour 4 prochaines séances. Oh, then I suspend the sitting. Down is over for PNQ, and I will take care of the honorable. Et avant que séance travail démarre dans Parlement grand matin, Speaker de l'Assemblée nationale a fait une déclaration, l'oban législation extending orders. Standing orders, le comportement, manière, formule et répondre à la bonne question parlementaire. Lydia qui s'est prérogatif Speaker pour modifier ou résoudre la bonne question parlementaire. Sourudjdev Poki a fait expliquer qu'il y a une lettre députée de l'opposition par rapport à séance la semaine dernière et qu'il y fait une sixième lit dans son bureau pour discuter le PNQ. Lydia qui lit de l'opposition. Fin mal compote li et qui au lieu faire ban proposition li fin accuse speaker de parti pris et devant un tel comportement li pas tienne à l'adoption qui demande li quitte ce bureau. Speaker dit qu'il est de l'opposition fin continuellement faire preuve d'outrage à l'Assemblée nationale et qui dans futur li pas poutelé à un comportement pareil. Voici un extrait déclaration speaker. I did inform the House that the Honorable Leader of the Opposition came to my office, but that, unfortunately, he misbehaved and left. In fact, I deem it necessary now for me to qualify the said misbehavior in the light of the adverse comments generated on the whole incident surrounding the said PNQ. I have to report to the House that the Honorable Leader of the Opposition, instead of making representations with regard to the wording of the PNQ when he came to my office on that day, as he was entitled by the standing orders to do, outright accused me of partiality and of bias, amongst others, in the presence of the clerk, the deputy clerk, and the advisor of the National Assembly. I had no option than to order him out of my office. Now, in the light of the above, I am of the view that the Honourable Leader of the Opposition has been consistently demonstrating continuing contempt against the Assembly and unduly obstructing the proceedings of the House. I have deemed it fit to bring the above to the attention of the House and wish to state, in no uncertain terms, that such attitude and conduct on the part of the Honourable Leader of the Opposition, or from any other member for that matter, will be henceforth not be tolerated. Bientôt, pour une nouvelle loi, le cybersécurité.
Premier ministre Fine Gael Salah annonce là dans Parlement pendant tranche question qui réservait à lui-même. Pravin Jugnauth dit qu'il dans 5 ans, Fine rapporte plus que 2200 cas liés à cybercrime. En ce qui concerne une réforme électorale pour qu'il bande madame mieux représentée dans Parlement, Premier ministre Fine déclarait que le gouvernement pour continuer le travail dans sa direction là et lui souhaite collaboration. L'opposition, Daniel Haïti. Premier ministre Fine donne un détail en attire un cas rapporté dans CCID ou bien dans Cybercrime Unit en janvier 2015 et octobre passé, et n'a plus qu'à 2200. Since January 2015 to October 2020, a total of 2,225 cases falling under the Information and Communication Technologies Act 2001 and the Computer Misuse and Cybercrime Act 2003 have been reported to the Central Criminal Investigation Department Cybercrime Unit. À une question supplémentaire, député Subhashni Lakshman Roy, Pravin Jugnauth annonce un nouveau la loi pour combattre cybercrime. The Ministry of Information, Technology, Communication and Innovation is currently developing a new law on cybersecurity and cybercrime. The new law is being aligned with the provisions of the Budapest Convention on cybercrime, which provides consistent definitions of conducts to be criminalized, procedural powers for investigations and prosecutions, the provisions for international cooperation. At the level of my office, a committee under the chair of the Secretary for Home Affairs has been set up to explore the possibility of providing within the ICT Act mechanisms such as the establishment of an ethics committee to prevent the posting of abusive comments and pictures on the social media platforms. Subhashni Lakshman Roy finit revenir avec une question sur la réforme électorale. Premier ministre dit qu'il regrettait que Maurice toujours pas capable de garder la tête haute en ce qui concerne représentativité ban madame dans Parlement. Ban différents rapports commandités et publiés depuis 2002, jamais pas fin implémenté. Women representation in our National Assembly has ranged from 0% in 1967 to 20% in 2020. Mauritius has not even been able to fulfill the commitment taken at the SADC summit in 1997 in Malawi to achieve at least 30% of women in political and decision-making structures by 2005. The bill which the government introduced in December 2018, regrettably, did not secure a consensus to obtain the required majority and consequently could not be put to vote. Will government adopt a consultative approach in the event of a new electoral reform bill is presented? However, there is such a bill that will be prepared. Of course, there is going to be consultations as we have done in the past. And we will seek the views of each and everyone, and then we will try to see how far we can have a consensus in this house. Député Xavier Luc Duval fait nous les connaître si finena une intensification trafic la drogue dans Raj Kumar Lane, dans région La Source, Katbone. Premier ministre répond qui fait enregistrer 4 cas avant 2015, c'est-à-dire en 2005 et 2014. Après sa question-là, Pravin Jugnauth fait réitérer l'engagement sans faille sur le gouvernement pour combattre la drogue. Ministre Kalpana Kunjusha a fin annoncé dans Parlement à Zodi tantôt qui a stella l'ipoine obligation légale pour tout citoyen République Maurice rapporte tout cas maltraitance envers enfants à ban l'autorité. Lydia qui pour faire amendement concernant cas maltraitance, meurtre et assassinat ban enfants pendant débat qui pourna le Children's Bill dans Parlement. Ministre aussi dit qu'il a peine pour une plus sévère dans cas maltraitance qui mène à décès enfants. C'était déclaration ministre Kunjusha par rapport à décès Chip-chigoson Ayan, nous écoute-li. I must at this point inform the House that prior to this tragedy, no case of ill treatment against the late minor was reported to my ministry. In the 9th of 13 November, the maternal aunt of the child complained to the police station of Midlands that the child used to be physically assaulted by the mother and her partner. The police immediately brought a halt to the funeral, which was in progress, and an autopsy was subsequently carried out at Victoria Hospital. The autopsy revealed a suspicion of foul play.
As this is a criminal case, it is being investigated by the Major Crime Investigative Team, the MCIT, and the criminal investigation is equally being undertaken against the medical practitioner who signed the death certificate of late Minor Ayan. I am informed by the police today that a provisional charge of murder has been lodged against the mother and her partner. We are introducing three bills for the better protection of our children, and in view of the atrocities allegedly committed by, not by another person, but by those very people having parental responsibility themselves, I am proposing to come with some amendments to the Children's Bill at the second reading regarding offences against children by those with parental responsibility. In fact, I'm proposing for the sentence to be made harsher for parents, guardians responsible either for an act or omission that is murder or manslaughter or serious harm. The forthcoming Children's Bill lays responsibility of reporting on each and every one of us who is aware of a case of a child in distress or ill treatment. It will thus become a legal obligation to report the matter to the police for immediate support and assistance to the child in distress. Toujours dans le cadre de la mot petit garçon Ayan qui tient à 10 ans, fin arrêt doctoresse Nesha Subug qui fin passe la cour Maïbou Azoudi sous une accusation provisoire de medical practitioner issuing false certificate. C'est lui-même qui t'y délivrait certificat d'essai sa petit garçon là, certifiant qu'il y fin mot de cause naturelle. Doctoresse là fin retrouve ce liberté conditionnelle après qu'il y fin payé une caution 40 000 roupies. Nous retournons dans le Parlement que le Premier ministre Pravin Jugnauth, fin demand speaker, présente ses sympathies à la famille ex-PPS Kalyan Tarola, qui fin décédé vendredi le 13 novembre 2020. Kalyan Tarola, élu dans circonscription numéro 10 pour élection générale 2014, il occupe poste PPS pendant 4 ans. Premier ministre dit qu'il est ex-politicien-là, qui est engagé dans social, dans ce endroit, leader de l'opposition. Dr. Orvin Boulay, l'ex-speaker, fin aussi présente ses sympathies à famille en deuil. Sa mort dit là, puis présente trois projets de la loi dans le Parlement qui concernent droits et que protection des enfants. L'émission Focus demain soir pour justement faire le point. L'objectif Children's Bill, Children's Court Bill et Child Sex Offender Register Bill. Claudette Geoffroy et que Dassa Palasomi pour le plateau, ministre Kalpana Kundjusha, Focus pour aussi axer le maltraitance et que violence envers des enfants. Watershed Meeting des Amourches et de ce filiale EAMET qui est supposé n'a lieu début décembre 2020 et fin renvoyé pour juin 2021 à Stella. Ben administrateur s'accompagne là, Sator Hadji Abdullah et que Irvin Singh Gokul fin gagne un renvoi à travers la Cour suprême. Une de bonnes raisons principales qu'ils ont fin évoqué, c'est deuxième vague pandémie COVID-19, surtout dans l'Europe, qu'ils ont dit et complique encore plus situation Amourches. Je dis qu'ils ont besoin de revoir ce plan. David Kratchkumar. Renvoi de la Watershed Meeting des Mauritius ex-filiale et Améta intervenir après que deuxième vague de la pandémie de COVID-19, en particulier dans l'Europe, finronne la situation des Mauritius encore plus complexe. Un plan viable, le long terme, pour Air Mauritius pas capable fin présenter dans sa nouvelle conjoncture là, selon ban administrateur. Raison pour laquelle Watershed Meeting fin reporté à juin 2021. Une rencontre décisive à côté un plan viable, l'avenir Air Mauritius pour présenter par ban administrateur auprès de ban créancier. C'est très très important, c'est ça Watershed Meeting là qui détermine l'avenir de la compagnie. Sa réunion là pour soit les créanciers pour voter pour un plan qui est proposé par les administrateurs, ou aussi les créanciers qui ont décidé qu'ils n'ont pas content à ce plan là. Malheureusement, avec la seconde vague qui nous finit dans l'Europe, et nous-mêmes, nous avons une condition de confinement à Maurice, ce plan qui nous est présenté là n'est pas viable. Nous avons besoin de regretter. Depuis qu'Air Mauritius fin placé sous administration volontaire, différentes mesures fin mettent en place qui fin permettent à la compagnie à économiser plus que 2 milliards de roupies de frais fixes. Tout le montant qui est dû est payable sous le contrat qui nous vient signer pour un avion qui nous est en nos possessions. Nous fin trouver un arrangement dernier 6 mois, 7 mois. Quand nous payons les autres, quand nous avions la puis envolé. C'est ça qui amène nous à ce chiffre d'environ 2 milliards de roupies.
Renvoi de la Watershed Meeting pour donner les temps nécessaires pour capable poursuivre avec bonne discussion, avec bonne créancier, c'est ce qui fait soutenir par l'administrateur Sator Haji Abdullah. Déo, allô, qui COVID-19 peut continuer à faire avance dans le monde, surtout dans l'Amérique et dans l'Europe. Société américaine Moderna fin annoncé qu'elle a un vaccin efficace à presque 95% contre COVID-19. Elle l'annonce qui fin amène un nouveau espoir. Moderna compte fabriquer 20 millions de doses d'ici la fin décembre, ce qui permet un pli concret perspective vaccination contre COVID-19. Astella nous guette un nouvel étang avec bonne prévision pour prochain 24 heures. À soir, les temps pour couvrir le plateau central, à l'eau qui pourra-t-il appeler bonheur demain grand matin. Température minimale pour voyer entre 15 et 17 degrés le plateau central et 19 à 21 degrés le la côte. Température maximale pour l'ivoirien entre 23 et 26 degrés le plateau central et entre 28 et 30 degrés le littoral. Marée pour haute 2 mètres, 3h et 14h 13. L'hypou basse 20h41 et demain 8h40. Soleil pour lever demain 5h21. Pour y aller coucher demain 18h29. C'est qui amène nous à la fin de nos journaux, madame, monsieur. Merci au Kinspivli. Bonne soirée.